Oui, ce match aller, on a un goût amer parce que ça s'est joué dans même la dernière seconde. Donc oui, on a vu qu'on pouvait élever notre niveau et tenir tête au PSG. Après, voilà, c'est un match qui cette fois sera à l'extérieur. Donc c'est vrai que notre public nous avait beaucoup aidé sur ce match-là aussi. Oui, l'intensité et l'agressivité dans les duels, c'est, je pense, des points importants sur ces matchs-là face à une équipe comme celle-là. Oui, bien sûr, c'est un match qu'on coche au début de la saison sur le calendrier, donc forcément, c'est toujours un match excitant à jouer. Non, ça met un peu de piment dans cette semaine. C'est vrai qu'on a la chance de jouer deux fois le PSG d'affilée. Donc ce sont deux matchs différents qu'il faudra aborder différemment. Mais voilà, je préfère jouer deux fois le PSG que jouer des équipes moins attractives. Le premier match est aussi important que le deuxième, vu que la coupe est aussi un objectif qu'on veut atteindre. Donc les deux matchs sont aussi importants. Bah écoutez, hélas, on connaît tous sa qualité de joueur, bien évidemment. Après, son histoire avec Marseille, c'est mal terminé, mais bon, ça reste un problème personnel pour lui. Et nous, voilà, l'Asana ou pas, il y aura une équipe du PSG en face et il faudra faire ce qu'il faut pour les mettre en difficulté. Non, je pense que c'est un inconvénient dans la mesure où des matchs comme on va jouer demain ou mercredi, ce sont des matchs de préparation pour eux pour préparer au mieux leur match retour face au Real Madrid. Donc forcément, ils doivent déjà se mettre au niveau Ligue des Champions et régler les soucis qu'ils ont eus pour battre cette équipe-là. S'il y a du travail défensif, ce sera pour tout le monde, que ce soit dans l'axe ou à gauche. Donc peu importe le poste où je jouerai, je ferai ce qu'il faut pour bien défendre. Bonjour. Bah déjà, c'est vrai qu'il y a une histoire, le fameux Classico qui dure déjà depuis pas mal d'années maintenant. Il y a aussi une rivalité entre les Parisiens et les Marseillais, que ce soit au niveau de la ville, des supporters, de la gestion différente des deux clubs. Il y a aussi bien évidemment aujourd'hui l'équipe que Paris est en train de mettre en place. C'est une façon aussi de se jauger dans ce championnat. Rencontrer le PSG, c'est voilà, voir à peu près où vous en êtes, où vous avez à progresser, où vous avez à travailler. Et bien évidemment, voilà, c'est un match qui nous tient à cœur parce que voilà, on sait l'importance que ça a pour nos supporters. Oui, c'est vrai que c'est ce qu'on s'est dit au match aller, que ça n'était pas joué à grand-chose. Mais voilà, on voit que même en réalisant un très gros match, on n'est même pas sûr de pouvoir les battre. Donc nous, on a des convictions, on a des valeurs et c'est ce qu'on va amener sur le terrain demain. Écoutez, c'est très simple. Voilà, j'ai toujours dit que c'était plus simple de s'entendre avec des très bons joueurs. Donc c'est le cas pour Flo. On arrive à combiner. Je pense que ce soit avec Flo ou avec les autres, on a vu que depuis le début de l'année civile, on s'entend plutôt bien devant et on arrive à marquer pas mal de buts. Donc c'est signe d'une attaque qui se trouve bien et c'est tant mieux.
Ben c'est vrai que Valère, c'est un attaquant atypique. Il participe vachement au jeu. On arrive bien à le trouver. Et il fait jouer ses partenaires. Il crée des espaces pour ses partenaires. Après, on connaît tous sa qualité de finisseur. Mais voilà, c'est un attaquant qui est aussi altruiste. Donc c'est une bonne chose pour nous. Et voilà, ce qu'on lui demande, c'est surtout de les mettre au fond. Et c'est ce qu'il fait en ce moment. Donc c'est très bien pour nous. On parlait plutôt d'un plan, on va dire collectif. Sur un plan individuel, c'est aussi une occasion. Il y a un peu un effet loupe, ou en tout cas une exposition particulière à l'occasion de ce rendez-vous. C'est quelque chose que j'ai forcément en tête aussi, là, avec une volonté peut-être supérieure de se mettre en valeur à cette occasion-là. Oui, bien évidemment, on a tous envie de très bien jouer, de faire un gros match demain, mais il ne faut pas non plus vouloir tirer la couette pour soi. Je pense que la plus grosse des bêtises, ce serait ça. On a montré à l'aller que on avait une équipe, et je pense que c'est un point aujourd'hui dans lequel on est supérieur au PSG, et c'est sur ça qu'on va jouer demain. Apparemment, vous partez demain, vous prenez la barre, ce qui est assez rare. Est-ce que tu peux me raconter pourquoi c'est mieux de ne pas enchaîner comme ça les mises au vert? Non, c'est pas rare. Il y a des clubs qui n'ont pas du tout de mise au vert et qui partent le matin des matchs. Donc c'est une volonté du coach, et pour en avoir discuté aussi avec nous. On enchaîne pas mal de matchs en ce moment, donc c'est bien aussi de pouvoir rester chez soi jusqu'au dernier moment. Non, au contraire, je trouve que c'est plutôt pas mal de pouvoir passer la soirée en famille et pas tout de suite se focaliser sur le match pour le jouer avant ou pour trop y penser. Est-ce que ça change quelque chose pour le groupe si c'est Johan Pelé qui garde le but demain? Non, pourquoi? Non, non, pas du tout. On a la chance d'avoir deux gardiens de grande qualité. Je pense que c'est pas donné à toutes les équipes. Donc on le voit encore que voilà, Yo arrive à faire l'intérim parfaitement. Donc que ce soit Yo ou Steve, on a confiance en nos deux gardiens. Que les résultats que vous connaîtrez de Monaco et Marseille compteront, Lyon, pardon, compteront Bah écoutez, bien évidemment, c'est sûr qu'au coup d'envoi, on saura ce que les autres ont fait. Donc il y aura un classement virtuel au coup d'envoi qui ne sera peut-être pas le classement à la fin de la journée. Donc bien évidemment que ces résultats compteront au coup d'envoi. Écoutez, bien évidemment que battre le PSG au Parc, c'est pas anodin, c'est quelque chose d'important pour nous. Après, voilà, si on arrive à le faire, ce sera très bien, mais je pense pas qu'on puisse dire que voilà, si on bat le PSG et que on est à la dérive derrière, ce sera une belle saison. Bien sûr qu'il faut battre le PSG, mais il faut ensuite, il y a la Coupe et il y a l'Europa League encore dans laquelle on veut bien figurer. Non, bien évidemment, on a deux façons bien différentes d'aborder ce match-là. Après, je peux pas leur en vouloir non plus. Forcément que ils souhaiteraient bien évidemment battre le Real Madrid dans 2 semaines que nous peut-être demain. Mais nous, s'ils veulent nous laisser gagner demain, il n'y aura pas de problème, on prend les 3 points. Honnêtement, je m'attache pas à juger les Parisiens. Je l'ai dit, le seul point où je ne les envie pas, c'est voilà, c'est d'être aujourd'hui moi dans le plus grand club français, pardon, mais surtout d'avoir une équipe. Et on l'a vu récemment que jouer en équipe, c'est beaucoup mieux que d'avoir que des individualités. Bonjour. Non, pas forcément. Bien sûr que sans lui, c'est mieux,
Mais s'il est là, il faudra faire avec. Il a été là pendant une bonne partie du match, au match aller. On a su le gérer comme il fallait. Merci. Au revoir. On voit qu'il y a du monde dans la salle. Non, je vous passe les détails. Allez, bonjour à tous. Ah, il y en a qui sont perspicaces. Non, c'était pas prévu qu'il puisse rejouer ce match-là, donc c'est Johan Pelé qui gardera les buts. Bon, on verra le dernier entraînement, il n'y a pas particulièrement de problème, à part bien évidemment pour Kostas Mitroglou et peut-être le petit Rokia. Mais sinon, les autres devraient être aptes. Enfin, en tous les cas, c'était comme ça hier quand on s'est quitté. Oui, bien sûr qu'il faudra les afficher, les valeurs de cohésion, les valeurs d'esprit collectif, parce que c'est un match qui va être beaucoup regardé. Et donc du coup, Dimitri l'a dit, et je pense qu'il a entièrement raison, il faudra raisonner collectivement et pas individuellement dans ce match. Voilà, ça peut être un problème de vouloir briller individuellement. Ce qui nous a fait pratiquement gagner le match aller, c'est ça, c'est qu'on a vraiment joué en équipe. Et on avait donné le meilleur de nous-mêmes ce jour-là, il faudra faire pareil demain, enfin après-demain, non demain. Je vais aligner quoi? Ah non, je vais aligner la meilleure équipe possible, celle dont je pense sera capable de faire un résultat. Je fais comme ça avant chaque match, ça ne changera pas. Je pense pas, mais Dimitri a fait le rappel et moi je le fais avant tous les matchs de cette importance-là, donc il n'y aura pas de problème par rapport à ça. Je ne pense pas, non, je pense pas. Ils sont dans une situation, en ayant perdu le match aller, où ils ne peuvent pas se permettre de faire un mauvais résultat avant de recevoir le Real Madrid au retour. Voilà, c'est pour ça que je ne pense pas qu'ils auront, ils auront la tête au Real, ils auront la tête à gagner ce match-là et à pas autre chose. Peut-être, je ne sais pas. En tous les cas, de toute façon, on va tout faire pour les bousculer. Après on verra. Que c'est du passé, on ne sait pas s'il jouera, voilà, rien de particulier. C'est un joueur qui a de la qualité évidemment, sinon il n'aurait pas fait tous les grands clubs, y compris l'Olympique de Marseille, dans sa carrière, mais rien de particulier, on se concentre sur nous et ça ira bien comme ça. Ouais. Est-ce que vous vous servez du très bon classement actuel, 3e, à 1 point du 2e, dans l'approche du match Les joueurs connaissent le classement et c'est vrai qu'on veut ou rester collé à Monaco ou les dépasser en cas de contre-performance de leur part. Donc ça passe par faire un résultat à Paris, même si logiquement, je crois que Paris n'a pas perdu un seul point depuis le début de la saison chez lui. Donc logiquement, ça va être très difficile de gagner là-bas ou de prendre des points. Mais de toute façon, quoi qu'il se passe, il restera 11 journées de championnat. Et pour l'instant, on a 6 points d'avance sur Lyon, un point de retard sur Monaco. Donc... après cette journée-là, tout sera encore ouvert. Ben on l'a avec nous à l'Olympique de Marseille et ça, c'est un grand bonheur. Voilà. Après, il y a beaucoup de joueurs de chez nous qui pourraient jouer chez eux et inversement, ça veut dire quoi? Qu'il y aura beaucoup, beaucoup de grands joueurs sur la pelouse du parc demain soir, ça c'est sûr. Non, ça change rien. C'est deux matchs différents. Ne compte que le championnat pour l'instant. Il sera toujours temps lundi ou demain soir après le match de penser au match de mercredi. Pour l'instant, j'y pense pas du tout. Non, vraiment. Il semblerait qu'il y ait une petite incertitude sur la présence de Neymar. On imagine que vous souhaiteriez peut-être son absence plus que sa présence. Non, pas spécialement. C'est l'un des meilleurs joueurs de la planète. C'est certainement.
le ou l'un des meilleurs joueurs qui évolue dans le championnat de France. Il vaut mieux le voir sur le terrain que de ne pas le voir sur le terrain. Voilà. Après, à nous de savoir le gérer comme au match aller. Il avait été sur la pelouse 85 minutes et je pense qu'on l'avait plutôt bien géré, même si effectivement il avait marqué de mémoire. Donc il faudra être capable de l'empêcher de concrétiser, ça c'est sûr. Ouais, mais il n'y a pas que Neymar à gérer, il y a tellement de grands joueurs en face que voilà, on va s'employer comme on dit. Le gérer comme à l'aller, ça peut vouloir dire essayer de lui faire péter un plan aussi. Non, on n'avait pas fait ça, c'est lui qui avait mal réagi. Nous on joue un match de football avec de l'engagement et c'est tout, mais dans les règles du fair play, voilà. Donc il y a des choses à redouter chez eux, mais en tous les cas, il faudra surtout ne pas les regarder jouer comme on a fait au match aller, ça c'est important. Tu dis avec le match de ce soir et mercredi de nouveau la coupe, ce qui change, c'est peut-être une partie que demain matin. On aura peut-être un peu ce programme à la carte pour éviter que les joueurs se retrouvent ensemble derrière. Bon, c'est pas très important. Ce qui compte, c'est d'être performant demain soir au match. On est parti 3 jours. Au Portugal, pour la bonne et simple raison qu'on avait demandé à jouer à 19h et qu'on nous a fait jouer à 21h et qu'on n'avait pas envie de rentrer à 5h du matin. Et là, je pense que pour le match de dimanche au parc, ça aurait été préjudiciable. On n'aurait pas été bien du tout, donc on est resté là-bas. Après, on ne peut pas laisser les joueurs une semaine en dehors de chez eux. Donc je pense que la journée de dimanche sera moins longue en arrivant dimanche et les joueurs récupéreront mieux en ayant la tête à autre chose qu'à ce match trop médiatisé, voilà, tout simplement. Bah, déjà, mes choix ils sont toujours orientés d'abord à 100% sur mon équipe, mes complémentarités et ce que je veux faire moi avec le ballon. Voilà. Après, effectivement, qu'on joue un adversaire et qu'on a toujours des composantes qui peuvent rentrer en ligne de compte sur les défauts adverses, les faiblesses adverses ou les qualités et les forces adverses, bien évidemment. Ouais. Non, mais c'est logique, c'est bien. Je sais que ça va être retransmis dans beaucoup de pays et ça, c'est une bonne chose pour la Ligue 1 parce qu'il est temps que nos droits internationaux augmentent. Moi, je ne suis pas financier, mais je sais qu'on est loin à la traîne derrière les grands pays européens et on a besoin d'avoir d'autres moyens. Si on veut avoir d'autres Neymar dans le championnat, il faut avoir d'autres moyens que ce qu'on peut avoir au niveau des droits télé, des droits internationaux. C'est des enjeux importants. Et quand je dis trop médiatisé, c'est parce que le Classico, c'est juste une invention médiatique et c'est rien d'autre, quoi. C'est juste pour ça. Bonjour, il y a vraiment une impression que les avants au MPSG, PSG, sont très aseptisés entre les deux équipes. Quel est ton avis là-dessus ? Est-ce que ça correspond à l'époque ? Est-ce que c'est un contact qui partage ? Non, je crois pas. Non, j'ai lu, moi, pas mal. Puis je vous ai entendu dans la conf avec Jim. Vous lui avez rappelé au moins sur 3 questions des déclarations adverses, des déclarations à nous. Donc c'est qu'on recherche la déclaration un petit peu, on va dire, ou polémique ou sensationnelle pour mettre un peu d'huile sur le feu. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a du respect entre les deux clubs, les deux équipes, mais il ne faut surtout pas se faire de cadeaux sur le terrain et c'est ce qu'on s'emploiera à faire, ça c'est sûr par contre. Demandez-moi ce que je crains du côté du PSG. Je crains les coups de pied arrêtés. Voilà, je crains les coups de pied arrêtés parce que je pense qu'ils en obtiendront plus chez eux qu'ils n'en ont obtenu chez nous, encore que. Je me souviens d'un coup franc à la 93e minute, mais surtout parce qu'il faut que M. Bastien, qui est l'un des meilleurs arbitres français, ne subisse pas la pression du parc et de ce match-là. Parce qu'il nous a arbitré à Lyon et je pense qu'on a permis à Fekir de jouer un coup franc à 29 mètres au lieu de 35. Alors, Steve Mandanda n'est pas non plus étranger au premier but lyonnais, je vous l'accorde. Et le deuxième but, il y a eu une faute flagrante sur Valère Germain, sur un coup franc. Donc voilà, sur les coups de pied arrêtés, oui, je crains demain qu'on soit en difficulté, à moins que tout soit géré au mieux. Voilà. Ouais. Mais en fait, on peut être 2 avant-centres et puis ne pas avoir d'aide parce qu'on ne joue pas l'un avec l'autre ou on n'est que 2. Et puis on peut jouer tout seul et avoir le renfort des 3 de derrière et de se retrouver à 3 ou à 4 à combiner devant le but. Et c'est plutôt comme ça que Valère,
il vit les matchs, il joue les matchs. Alors je vous l'accorde, pas tous, mais quand on est bien, quand on est en forme, voilà, c'est aussi pour ça que le danger vient d'Ocampos, de Payet, de Thauvin, d'Engie ou de Sanson. Et Valère, il est tout sauf tout seul quand il joue comme ça. C'est juste un schéma sur un système de jeu, sur un tableau blanc, et c'est pas comme ça que ça se passe dans les matchs, quoi. Ouais. On va voir si Rodoni est à la hauteur. C'est ça qui est bien. Déjà, on va chez lui. Donc, non, moi, je suis ravi d'aller à Bilbao parce que déjà, c'est le football espagnol, que c'est pas très loin en termes de déplacement. On craignait de se déplacer en Russie. On sait qu'on a des matchs de championnat entre deux qui sont des matchs importants. Et donc, voilà, c'est, pour moi, c'est 50-50. C'est une belle équipe. On pourra se qualifier, pourront se qualifier, mais je pense que c'est... Bon, on aurait aimé recevoir au retour, mais c'est toujours comme ça en Coupe d'Europe. On a battu Braga en recevant au premier match. On va s'employer à se qualifier aussi, bien évidemment, pour l'écart. Ça serait une belle chose pour l'OM, oui. Merci à vous.